arrive à une usine de transformation des eaux. L'alimentation a été coupée. On va devoir forcer la porte. Ok. Je m'en occupe. L'accès à la mine devrait être tout au fond. Et le réacteur est encore derrière ? D'après les plans, oui. Je dirigeais Omega, Nairine. Je ne travaillais pas dans les mines. Non, vous aviez des esclaves volontaires pour ça. Par les esprits. Du calme. Ils sont tous de Cerberus. Ils ont été déchiquetés. Je n'aime pas ça. C'est violent. Il y a du ketchup partout. Atteignez les mines. Bon, eh ben on va essayer de trouver le chemin. Ça pue l'adjudant, hein. Ça pue l'adjudant à plein nez. Cette saloperie pourrait me sauter dessus à n'importe quel moment. Soldat de Cerberus complètement mort. Encore des morts. C'est un vrai bain de sang. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne devrions pas être... Chut. C'est quoi ce bruit? Un adjudant. Oh non. Le général a dû verrouiller cet endroit pour le contenir. Plus de ketchup ici. L'ascenseur qui mène aux mines est derrière cette porte. Il est désactivé. Il faut qu'on rétablisse l'alimentation. Il doit bien y avoir un disjoncteur quelque part. Ces conduites alimentent la porte. Suivons-les. Le centre de traitement va être immédiatement verrouillé. Ordre de priorité Alpha. Toute personne tentant d'évacuer le secteur sera éliminée à vue. Là. Hop. Je peux pas grimper là. La merde. Ah oui d'accord, c'est avec l'échelle. Rétablissez l'alimentation, faut suivre cette espèce de truc là. Ah. Il faut trouver le disjoncteur. Suivez la conduite. Par là donc. Non, ça passe pas. Hop là. Complètement taré, Shepard. Le murmure s'estompe. Peut-être que l'adjudant a pris peur. Ne vous faites pas d'idée. J'ai déjà vu une de ces créatures écraser toute une unité de soldats à elle seule. C'est clair. C'est quand même se faire une drôle d'idée de se dire qu'il a peur alors qu'on a vu des... on voit des cadavres de partout, quoi. Comme si une créature pareille allait avoir peur. Descendez l'échelle. Ok. Voilà les commandes d'alimentation. Quand tout sera fini, il y aura beaucoup de dégâts à réparer. J'espère que vous vous concentrerez d'abord sur les zones civiles. Vous avez la tête dure. Nous avons au moins ça en commun. Ouvrez le feu! Nairine, allez! Allez Nairine, un peu de courage. On doit éliminer cet adjudant. Allez, ça va pas poser problème si on est bien organisé. Je hais ces choses. Il est mort. Si c'était le cas, ça vous rendrait plus efficace. On dirait plutôt qu'ils vous font peur. Ok, on retourne à la porte. Hmm.
Effectivement, elle a l'air d'avoir une petite phobie de ses adjudants, hein, c'est clair et net. Mais bon, il faut l'encourager. On y va. Ne traînons pas. Vite. Feu à volonté. Ici. À mort. Crève. Charogne. Vite, en avant. Vers la porte. Shepard, Duner, la revoilà des adjudants. L'ascenseur arrive. Ok, on ok, doit ok. Pas les laisser s'échapper. Où sont-ils? Là. On en a un. Ah, oh, putain, la puissance biotique de ces trucs. À couvert. Trop près. À mort. Vite. Éliminons le second. Oh putain, un troisième. Crève, bordel. Ah. Toi aussi. Ah non. Vite. Où est-ce qu'elle est, Aria? Vite. Voilà. Où est ce salopard? Ici. Grenade incendiaire. Oh non, il a utilisé une surcharge. Merde, je me suis trompé. Ouh. Je crois qu'on les a tous tués. Réessayons l'ascenseur. Restez sur vos gardes. C'est bon. Allez, dans l'ascenseur. Ouais, je vais sceller la porte, au cas où. Allons, Mina. Ça va, Nairine? Oui, je réfléchis. Le général a clairement cédé cette zone pour enfermer les adjudants. Et quelques malheureux soldats avec eux. Oui, les créatures les ont tués, mais ne les ont pas changés en adjudants. Je ne sais pas. C'est étrange. Vous êtes seulement un peu effrayé. Cet endroit vit, Aria, au rythme de Cerberus. Si vous étiez resté, vous le sentiriez peut-être. Tout ce qui se mettra en travers de notre route, on s'en occupera. Il est long, cet ascenseur. On entend les foreuses. C'est pas vrai. Elles tournent beaucoup trop fort. Cerberus doit les pousser au maximum. Complètement con de pousser autant. L'accès au réacteur doit se trouver au niveau supérieur. Trouvons un moyen d'y monter. Allez, en avant. Oh. C'est bizarre, ça. C'est quoi? C'est des... probablement un minerai particulier. J'imagine. Hop, ça c'est... Ok, Cerberus est ici. Ah! Meurs, vermine. Ordure. Ils m'ont enlevé mes munitions incendiaires. Ça doit faire un moment en plus, vous avez dû sûrement le remarquer depuis un petit moment, mais bon. Tant pis. Aria, Nairine, en avant. Charge activée, comment ça? Comment ça, charge activée? Crève! Complètement con, je t'ai pris en Cortèse. D'habitude, c'est votre technique, ça, bande dans le cul foiré. Tiens! Crève! Arrête de faire ton malin. À me résister là. Il se croit où le mec? Tout est bon. On peut utiliser l'ascenseur de maintenance de l'autre côté. Ok, allons-y, Aria. Wow. Ah, oui. Il faut qu'on trouve un autre moyen de traverser. Je veux bien, hein, mais ça pose quand même quelques soucis. Ah oui, l'échelle. Intéressant. Wow.
Wow, wow. C'est parti. Allez, vous allez même pas descendre tellement vous êtes trop nuls. Putain, Nairine, elle a failé sa surcharge. Complètement. Je vais équiper le sniper. Non, pas le fusil à pompe, le sniper. Éliminez-moi ça, s'il vous plaît. Un peu trop près. Oh, oh, oh. Ce massacre. Par contre, l'autre, là, la Némésis, là, faudrait que je puisse l'éliminer. Presque morte. Oh, la chatteuse. Bon, bah, ça, c'est fait. On va voir, il y a une autre Némésis, ici. Putain, t'as esquivé le headshot, mais de justesse, ma belle. De justesse. Vas-y, vas-y. Mais c'est incroyable, ça. Allez. Putain. Quel planqué, celle-là, alors. Une vraie campouse. Voilà, c'est une campouse. Nairine qui s'est téléporté de l'autre côté. Sous le tapis roulant, apparemment. On a qu'à faire ça. Puisqu'il le faut. Ces imbéciles surchauffent complètement cet endroit. Il ne tiendra pas à moi. Restez concentré. Vous en faites pas, d'ici là on aura repris Omega. Échec système imminent, n'est-ce pas? Et toi, la Némésis, tu t'y crois? À mort, la Némésis. Ça devrait nous y conduire. Allez, je pirate tout ça et on avance. Il y a de l'action hein, sur Omega, il y a de l'action, c'est de l'action intensive. Non, l'autre côté. Et on grimpe. Montez. Donc je monte, pas de soucis. Ils ont un effet. Oh, je voulais pas que j'aille au réacteur. Ils sont où? Ils sont en dessous. Oh là là, les mécas remparts, attention. Oh, aïe 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 aïe. Protégez-moi les filles, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Oh, fuck. Demi-tour. Hello. Nairine. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle poursuit par un putain de mecha. Ah! Crève! Vermine! Un autre. Échec système. Ouais, ouais, échec système éminent. Ah, crève, salopard. Les autres sont là-bas. En avant, les filles. Allez, boum. Vous pouvez rien échec face à ma toute puissance. Bah, ah, ah. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous croyez? On a un type blessé, bien sûr. Bonjour. Coucou, tu veux voir ma bite? Voilà. C'est bon, on les a tous éliminés. En avant, on a Irine et Arya. On se dirige vers l'ascenseur. Il est où l'ascenseur d'ailleurs? D'accord. Non, je veux savoir où est l'ascenseur. Il est là. On a réussi. Appuyez sur le bouton. J'appuie. Ils connaissent notre cible. Ils vont appeler des renforts. Effectivement. Restez concentrés et trouvez l'accès au réacteur. Bah, ça vous emmerde hein, qu'on aille au réacteur. Ça vous fait chier. Hein. On est opérationnel. Crève. Poste de contrôle 2-4-7.
changement de position de l'ennemi. Poste de contrôle 247, répondez. Ah. On répondra... Il répondra pas, il est mort. C'est dommage, hein. On dirait que Cerberus a envahi les lieux et tué tout le monde. Et maintenant, on les rembourse en nature. Je suis sûr que vos ouvriers morts sont très reconnaissants. Qu'est-ce que tu veux, Nairine, je veux bien être conciliant, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux y faire, quoi? C'est Cerberus, les enculés, dans l'histoire. Pas à rien. L'ascenseur qui va au réacteur est de l'autre côté. Waouh! Attention, cet endroit tombe en ruine. Non, j'avais pas remarqué. Merci, Captain Obvious. Allez, on grimpe, mademoiselle. Étrange. On ne nous attaque plus. Ouais, restez sur vos gardes. Let's go. À l'ascenseur, c'est mieux que ta sœur. Pourquoi vous souriez, Arya? On y est presque. Une fois les champs de force levés, c'est la guerre qui commence enfin. Ça vous manque, hein. Pour certains d'entre nous, elle a commencé il y a plusieurs mois. Ce n'était pas la guerre, Cocotte. C'était juste l'échauffement. Ouf, tu parles. Je dirais pas ça comme ça, Arya. Je dirais que c'est la guerre depuis que Cerberus est arrivé. Et que là, on va juste entamer la bataille finale. Tout simplement. Nous y voilà, le réacteur. Voilà le réacteur, droit devant. C'est beau. C'est beau. Attendez, c'est où la destination? J'arrive pas à voir. Ah, c'est directement... Wow! Bravo, votre plan d'attaque était impeccable. Je crois qu'on était attendu. Appâté, oui. Je savais que le réacteur ne serait pas une cible facile. Ce chemin était le seul praticable. Dommage que vous soyez dans le camp de l'homme trouble, Petrovski. Je suis dans le camp de l'humanité. C'est vous qui essayez de déclencher une guerre pour la gloire d'Aria. Mais c'est fini, tout ça. Ça ne se finira que quand même vos proches ne pourront plus vous reconnaître. Votre bravade est touchante, mais apprenez à accepter la défaite. Vous avez été neutralisé, et je pourrais vous laisser croupir ici. Abandonné. Jamais! Aria, qu'est-ce que vous avez en tête? Ça ne se terminera pas comme ça! Aria, non! Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Bon sang, Aria, vous me forcez la main. Soit, procédons à votre manière. Nairine, là! Ok. Aria est complètement folle, mais bon. Nous devons la protéger. Le temps qu'elle fasse ce qu'elle essaie de faire. Crève, ordure! Il y a trop de ces saloperies de mecha. Je sens que ça va être la merde. Allez, hop, un de moins. On continue. Oh putain de merde, sale Cortez. Ah. Attention, surveillance. Ok, pas de Cortez. Tout se passe bien. Aïe. À ton tour, mecha rempart. Ah. Bonne mort. J'ai dit bonne mort. Allez. Putain, il veut pas mourir cet enfoiré. J'ai dit crève, bordel. Voilà, tout se passe bien. Gentil, gentil pépère. Y'en a un là. Oh, 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 oh.
Nairine, je sais pas du tout où tu es, mais j'apprécierais un peu plus de soutien de ta part. Il y a des Cortez, ils essaient de nous prendre en sandwich. Crève ! Ah ! Ah ! Je me fais tirer dans le cul ! Putain ! Ah. Tiens ! Défaillance détectée. Effectivement. Échec système imminent. Seul maintenant. Surcharger le réacteur. Ok, c'est mon boulot. Ah. Ok, en route. Ah. Meurs ! Hors de mon chemin ! Vous ne m'arrêterez pas ! Jamais ! Échec système imminent. Oh putain de merde ! J'espère qu'ils sont pas trop nombreux. Vite, en avant. Il faut qu'Aria et Nairine arrivent à tenir le coup là-bas. Échec système. Exactement, échec système imminent. Toi aussi. J'aime pas trop le fait qu'il y ait un soldat de Cerberus pas loin. Je sais pas où il est parti. Il est là. Je l'ai vu. Ok, je fais ce que je peux, Nairine. Je fais ce que je peux. Ah putain de mecha, quand ils sont au sol, ils font super mal. Quand on leur marche dessus. C'est bon, je crois que j'y suis. Ne faites pas ça, commandant. Vous ne connaissez pas tous les enjeux. Ce réacteur alimente les systèmes de dizaines de secteurs dans toute la station. L'arrêter, c'est tuer des milliers d'innocents. Vous entendez ça, Aria ? Oui, et je m'en fiche. Arrêtez-le. Je pars de non. Essayez de détourner l'alimentation des champs de force. Et merde. Tenez bon là-bas. Détourner l'énergie pour maintenir les autres systèmes ? Vous êtes fous ? On est à bout de force. Nairine, votre flanc. Voilà pour qui vous travaillez, Shepard. Elle se fiche bien des innocents. Qu'est-ce que vous attendez ? Surchargez ce réacteur. Elle n'hésiterait pas à sacrifier des milliers de vies. Shepard, Nairine est blessée. Je la stabilise, vous n'y arriverez pas à temps. Déclenchez la surcharge de ce putain de réacteur. C'est plutôt simple. Et pourtant, quelque chose en vous a l'air de vous retenir. Peut-être qu'au fond, vous commencez à vous dire que la galaxie serait mieux sans elle. Elle ne comprendra jamais, ne changera jamais. Même si vous gagnez, Omega... père. Assez. Ainsi soit-il. À toutes les unités, aux stations de combat, attaque imminente. Que l'équipe de démolition se mette en position.
Ça va ? Malgré tous vos efforts pour me tuer, votre bon cœur a failli me coûter cher. Du calme, Maria, ça a marché. Shepard nous a sauvés sans sacrifier d'innocents. Je lui tire mon chapeau. Peut-être. Si on veut. Vous avez été courageuse contre ces mécas, Nairin. Très impressionnant. Mais pourquoi vous n'êtes pas comme ça contre les adjudants? C'est pathétique. Vous vous crispez rien qu'à entendre le nom de ces abominations. Du calme, elle vient de vous sauver. J'essaie de l'aider, Shepard. C'est pour son bien. La guerre commence, je ne veux pas la rater. Elle a du mal à dire merci.